Bon, ben voilà, je quitte le Compostelle qui est là-bas. On voit les cèdres du Liban. On va zoomer dessus, voilà. C'est là. Et là, ce sont les pins que Monsieur Borde a plantés de l'autre côté de son terrain aussi. Voilà, allez, on est parti. Et là, pour le coup, ça descend, ça change un peu de d'habitude. C'est une bonne nouvelle. Bon, ça va, normalement j'ai 13 km à faire, ça devrait le faire. Allez, on continue. Aujourd'hui, c'est orageux. Encore une journée orageuse, on va dire. Donc voilà, c'est pour ça ce qui explique un petit peu l'équipement un peu pluie. Bon, c'est pas très grave. Demain, il fera normalement beau encore pendant quelques jours. On va voir comment ça va évoluer. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, j'ai créé une chaîne Telegram hier soir, en fait. Voilà. Si ça vous intéresse, j'essaierai de mettre le lien. Je le mettrai dans un commentaire, peut-être à la fin de cette vidéo. Oui, je mettrai le lien. Voilà, ce sera une chaîne où pourra discuter un peu plus librement, voilà, et des questions plus pertinentes et des réponses plus précises. Quoi dire d'autre? Bah, rien de particulier. Là, pour l'instant, c'est assez agréable. Il fait bon, hein. Je supporte largement le kawé. En plus, je suis en décembre, donc c'est smoothie, parfait. Allez, on continue. Bon, c'est jamais vraiment avec les chiffres. Les chiffres des panneaux. Mais bon, ouais, c'est un petit peu l'impression que j'ai dans les jambes aussi. Je pense que j'ai fait environ 600 km. Mais ça va, justement, cette impression, c'est une impression plutôt... Ouais, à partir de 600 bornes dans les jambes, en fait, on commence à avoir des vraies jambes. Allez, on continue. Il fait toujours assez bon. Il est relativement tard quand même. Je crois qu'il est encore passé. Je suis encore vigile en fait. Je pars toujours extrêmement tardif. C'est pas très grave. Théoriquement, je crois 13 km à faire, mais c'était par une départementale. Là, j'ai opté pour le GR. On va suivre le GR. On va voir combien je vais faire de bornes. Exactement, elle sera ce soir. Mais bon, enfin voilà, c'est une étape qui ne doit pas excéder les 14 ou 15 km. Je pense en dessous de 20 en tout cas. Donc, ça va peut-être faire la farce. Sinon, ça sent super bon. Ça sentait super bon tout à l'heure quand j'étais un peu plus haut. Là, ça sent un peu moins bon. Mais c'était vachement agréable. Et j'ai dit, viens, je vais prendre la caméra pour le dire parce que ça fait partie du ressenti du chemin, parfois quand c'est agréable, et puis quand c'est désagréable. Alors, quand c'est désagréable, je vous mets pas à chaque fois un commentaire, parce que les rageux en profitent pour dire ouais, tu t'énerves, tu pas, bon bah oui, je suis un être humain quoi. Vous me dites tout ça, mais vous êtes tranquille à regarder une vidéo, ça n'a pas grand chose à voir avec la réalité de ce qu'on vit quand on marche et qu'on fait le truc, et des fois c'est galère, on est énervé, des fois non. Énervé en permanence, mais enfin quand je suis énervé, voilà, j'essaie d'éviter de vous montrer mon côté rageux. Bon, allez, on continue.
avoir chaud, je me suis un peu découvert, j'ai enlevé mon kawé. Et ben je commence à prendre des gouttes de flotte sur la gueule. C'est sympa. Voilà, bon, pas très grave. Il fait assez bon. Donc tout va bien pour l'instant. Si c'est plus compliqué, ben, peut-être que je ne le mettrai pas, mais je vous le dirai après. Allez, à plus. Comme vous pouvez le voir par vous-même, ça s'est un petit peu aggravé. Hein. C'est pas un déluge délugesque. Hein. Mais bon. Alors je me suis un petit peu... J'ai trouvé une autre méthode pour me protéger. Et le sac, c'est pas mal. Ah, on dirait que je l'ai. Bah non, je l'ai posé sur le sac. Ah, c'est pas mal. Ça a un côté assez coolos. Bon, on va essayer de traverser ce truc sans se mettre dedans. Voilà. Bon, bah on continue. Il y a toujours une petite pluie fine, mais ça va, c'est pas trop dérangeant. C'est joli, hein? Super joli. Des petits ponts de ci, des petits ponts de là, des petits cours d'eau par-ci, des petits cours d'eau par-là. Mais il pleut. Il pleut bergère de plus en plus fort. Bon, on continue. Bon, bah là, j'ai trouvé un petit abri pèlerin, là. Avec un petit coin livre, un petit banc où j'ai posé mon petit sac. Et puis la petite pluie bah, commence à réduire là, mais ça tombait assez gras. C'est pour ça que je me suis un peu arrêté. Parce que en plus j'avais mis mon kawé de manière un peu non conventionnelle. Et en fait, je commençais à me mouiller un peu partout, c'était un peu désagréable. J'ai décidé de m'arrêter et de changer, mais il faut pas oublier d'enlever le kawé avant, surtout quand on l'a passé après le sac, parce que sinon on s'emberlificote dedans. Et donc j'ai eu, je pense, une petite séquence comique que vous avez loupée parce que je ne pouvais pas me filmer en même temps que je me débattais avec mon sac, mes bretelles et mon kawé. Mais bon, voilà, vous pouvez imaginer, c'était... Je pense, vu de l'extérieur, ça devait être assez comique. Bon, j'ai réfléchi et je me suis dit, mais si tu enlevais ton kawé avant, ce sera plus simple. Et effectivement, c'était beaucoup plus simple. Donc la méthode n'est pas mauvaise, faut juste pas oublier qu'on a mis le sac avant le kawé. Bon, allez, à plus. Alors ici, il y a une petite commune où il y a un point d'eau et j'étais assis un peu avant là, à l'abri pèlerin. Je vois qu'il y a une table ici, il y a une petite chapelle moderne. Et voilà, ça c'est la mairie, et puis un peu plus loin il y a le petit abri pèlerin où j'étais assis. Bon ben voilà, on est sur une route départementale hein, depuis un petit moment déjà. J'y ai pas vu beaucoup de bagnoles quand même, hein, donc voilà. Là ça s'est arrêté de pleuvoir. Un peu plus sympa. Voilà. Allez, on continue. Et puis je vais vous montrer quand on arrivera là-bas la plaque du village. Voilà, on quitte Louvigny, donc petite commune avec un point d'eau, des toilettes, un abri pèlerin avec quelques livres. Voilà. J'ai pas eu vraiment de bol parce que j'ai recommencé à marcher là. J'ai parcouru un petit kilomètre depuis tout à l'heure. J'ai repris la flotte tout le long, ça vient de s'arrêter à peine à l'instant. Voilà. Bon, bah, on continue.
note. Et ben continue. Toujours pas emprunté de chemin, je suis donc sur une départementale et je sais pas encore combien de bornes il va me faire en plus, mais mon GPS toujours m'indique la direction opposée que m'indique le GR, donc je suis toujours à l'opposé. On verra, j'espère que je vais y arriver. On verra après combien de bornes. Ce matin moi j'en avais 15 au départ du Compostelle. Donc on verra combien j'aurais parcouru, mais là j'ai suivi le GR tout le long, donc comme ça on saura exactement ce qu'il en est, et puis je prendrai mes dispositions pour continuer ou pas à suivre le GR, parce que j'avoue que quand tu fais 17 ou 18 à la place de 15, c'est pas forcément cool. Voilà, bon allez, on continue. Petit chien qui garde la maison, hein. Un peu retardataire le petit chien, ça fait 1 minute et demie que je suis passé, mais il a dû s'inquiéter parce qu'il a pas dû en continuer à entendre des pas. Bon, il y a bien des chemins sur les côtés, mais je suis toujours là, alors je sais pas, est-ce que j'ai loupé un panneau de GR, je sais pas. Si je l'ai loupé, c'est parce que c'était pas trop bien indiqué, parce que j'étais quand même assez attentif à tout ça, donc bon, on va voir. Clic, je viens de passer devant ce gîte avec ce gentil chien qui m'a un petit peu dit bonjour de loin et puis juste pour me dire qu'il était là, et puis voilà, je suis rentré, il m'a rien dit, il boit dans la piscine et je vais ça me semble vachement sympa quoi. Je vois comment c'est organisé. Alors je vais téléphoner à la personne et puis je vous tiens au jus. Regardez-moi cette bouille là, du gros chien. Tout doux, tout gentil, tout propre, tout blanc. Du beau, hein. Bon oui. Un petit chat ici et un gros chien là-bas. Et ils sont tous très gentils et très câlins. Thank you.
fait, je me suis tapé pas beaucoup de kilomètres en fait, ce matin. Mais ça me déstabilisait un petit peu à chaque fois, ce Google Maps qui m'indiquait que je partais à l'inverse de là où il fallait que j'aille. Donc, en gros, il rajoute 5 km par le chemin. Donc, j'ai eu 5 km de plus en gros. Donc, j'avais 15 km en partant ce matin. Là, je dois en avoir, 14, on va dire. Parce que on fait au moins 5 bornes de plus par le chemin que par la route que m'indiquait Google ce matin. Alors, finalement, je me pose là. C'est bien. J'avais un peu faim, l'accueil était super cool, voilà, vous savez comment je fais maintenant. J'y vais au feeling, à bloc, et donc je sais que Yann est passé et que c'est son épisode 50 de JT des gens qui parle de nos amis hospitaliers, de notre ami hospitalier. Et ben voilà, vous pourrez aller voir l'épisode pour avoir plus de détails. Moi, je vais rester discret, je ne vais pas l'embêter avec ça. Mais voilà, je passe derrière Yann et je peux vous dire que ouais, c'est quand même un endroit très très sympa. Voilà, c'est bien de le savoir aussi. Et une petite salle de bain tout à fait confortable, avec des galets pour me rappeler mon ex salle de bain. Et ben voilà, c'est nickel. Super. Et oui, petite lessive. Et je vais retourner à mes appartements pour finir cette petite vidéo de la montée et tout ça. Voilà, c'est parfait, hein. C'est parfait, franchement c'était nickel pour moi là. Alors effectivement j'ai pas fait grand kilométrage, hein, mais j'ai revu un peu en montant la vidéo. En fait je faisais pas 15 km, j'avais 13 km d'annoncé au départ. Et en fait j'ai fait 5 bornes absolument pour rien parce que je me retrouve toujours à 15 km. Donc en gros voilà, c'était peut-être pas forcément la meilleure idée que de suivre le GR aujourd'hui pour aller là-bas, mais par contre pour venir ici c'était une bonne idée. Donc. Donc ben voilà, c'est une bonne idée. Moi j'aime beaucoup l'endroit là. Beaucoup, 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 beaucoup. Voilà. Ma chambre, magnifique chambre de ce soir. Je vais pouvoir me délester des chaussures, enfin voilà, du sac, peut-être de la guitare aussi. Ce qui me fera une grande chambre super luxueuse. 4 étoiles, voire 5. Cool. Bon. J'ai changé le transat de place. C'était pour me mettre à l'ombre pour finir de monter cette petite vidéo qui n'est pas si petite. Et voilà, donc qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais vous dire une chose. Oui, demain c'est le 11 septembre. Et demain il se pourrait qu'il y ait un certain nombre d'événements qui se passent. Très important ici à l'étranger, aux États-Unis notamment. Et donc bon ben, je ne sais pas s'il y aura des coupures ou pas d'internet, je ne sais pas s'il y aura des choses particulières. Toujours est-il que je vais vous mettre le petit lien dont je vous parlais de la chaîne Telegram, puisque bon bah ben, à partir de prochainement je pense que les choses vont changer. Je vais continuer de toutes les façons les vidéos sur YouTube de la même manière qu'elles sont présentées actuellement, bien sûr. Mais voilà, peut-être que je ferai une chaîne particulière pour Telegram, et on verra un petit peu, bah, pour les gens qui s'y intéressent, évidemment. Voilà, bon, on va voir ça, on va mettre ça en place, et puis bah, s'il y a une coupure d'internet totale, bon, bah, ça sera compliqué. Si ce n'est pas le cas, eh ben on va continuer à essayer de faire notre possible pour vous donner de l'information réelle, en temps réel, sur des choses réelles qui n'existent pas pour un certain nombre de gens, simplement parce qu'ils croient les gens qui le leur disent et qui racontent des mensonges. Voilà. Bon, ça c'est court, c'est clair, c'est net et c'est simple à comprendre.
I will talk about everything and important thing and in the new channel I put in Telegram and I give the possibility to come in the comment down. I don't remember the words for that. Sorry. So bon voilà, alors on fait comme ça. Voilà, il y a une dame qui étend sa petite lessive aussi là-bas. Je vais pas la filmer pour regarder son anonymat, poil au bras. Voilà. Bon, ben, je vous dis bonne soirée. Je vais essayer d'uploader cette vidéo. Et puis, si vous l'avez, ben, vous aurez le lien de la chaîne Telegram dans un commentaire public sous la vidéo. Voilà. Allez, la bise à tous. Ciao.